Si tu cherches des crédits ou des points FIFA les moins chers du marché, je te conseille d'aller sur fifa.sby. Le lien est dans la description et tu auras 3% de réduction avec le code GMJ. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo d'achat-revente où je vais tout simplement présenter 3 joueurs à utiliser en tech 59. Donc on va commencer avec le premier joueur, donc il s'agit de Hector. Donc vous mettez comme ceci, Hector. Donc comme ceci, Jonas Hector. Et là vous recherchez à 2000 crédits. Donc 2000 crédits comme ceci, vous recherchez. Et donc là vous voyez qu'on tombe, donc il va tomber, donc là il y a un petit, une latence. Donc voilà, 2000 crédits, c'est un joueur non rare, donc c'est assez intéressant. Donc vous mettez au prix le plus bas, ça peut être 1008 ou 1009. Donc là c'est à 1008, et vous allez au dernier joueur de la liste, et vous actualisez comme si jusqu'à laisser tomber sur une heure de prix, assez intéressant. Donc voilà pour ce joueur, ensuite on continue avec le deuxième joueur, donc là c'est Fazio. Donc vous mettez comme ceci, Fazio, donc voilà, comme ceci, Fazio. Donc voilà, c'est ce joueur, Federico Fazio, et vous recherchez à 1800 crédits. Et vous cherchez, donc là vous voyez qu'il est à 1700, donc vous allez au prix minimum du marché tout simplement. Vous essayez à 1006 ou 1005, comme ceci. Donc voilà, 1500 crédits. Et vous recherchez, donc là vous voyez qu'il y a 1400, donc vous mettez à 1004, comme ceci, et vous recherchez. Et là pareil, vous mettez au dernier joueur, vu que c'est un joueur argent, enfin un joueur or non rare, donc ça c'est intéressant, il peut vraiment tomber assez bas. Donc ce sera pas des bénéfices énormes, mais bon, ce sera toujours ça de prix. Et ensuite on continue avec le troisième et dernier joueur, il s'agit de Marcano. Donc vous mettez comme ceci, Marcano. Donc Marcano. Donc c'est ce joueur, Ivan Marcano. Et vous recherchez à 2000 crédits, comme ceci, 2000 crédits. Et vous allez voir qu'il y en a 1600, donc ça dépend les prix du marché. Donc là vous mettez au prix minimum 1500 crédits, vous voyez qu'il y en a deux, vous mettez au dernier joueur. Et pareil, hein, vous actualisez jusqu'à essayer de tomber sur une heure de prix. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour ma part je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, ciao tout le monde.